Ouais. Salut, aujourd'hui je suis avec Jonas et on vous emmène faire 3 jours de survie bushcraft à Gondo en Suisse, dans les Alpes suisses. À la découverte un peu de la région, il y a des mines d'or abandonnées datant du 19e siècle qu'on va aller visiter. On a entendu parler de grottes aussi, de restes d'anciens villages miniers. On a la construction d'un abri que vous verrez aussi, le petit feu qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Ah. Bon, on a donc fini le camp, petite bâche, petit coin pour le feu pour ce soir, le bois au sec, une grande place pour dormir, les sacs, sac de nourriture en hauteur, hop, petit mur sur les côtés, puis voilà. Ça s'annonce assez bien. Yes, ça prend. Ok, on est à la rivière et on essaye de remettre en état un ancien bis qui va jusqu'à côté de notre campement. Donc ce serait vraiment super cool de réussir à faire passer l'eau sur cet ancien bis. Seul problème qu'on a pour l'instant, ici on a déjà dû tout creuser. Le problème c'est que ici ça s'infiltre beaucoup et on voit ça s'infiltre sous le rocher et ça coule de tous les côtés et du coup on sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on essaie d'augmenter le débit mais on est quasiment au maximum de ce qu'on peut faire, sinon creuser plus mais après ça repousse seulement le problème plus loin. Alors voilà, on en est là, on ne sait pas trop comment faire.
de retour à la rivière pour l'histoire du bis. Et on est arrivé à peu près à ce qu'on voulait, enfin ce qu'on pouvait faire surtout. En gros, ça c'est tout le courant qu'il y a au maximum. Donc au-dessus de notre déviation. Ici on a le début de la déviation. Avant il y a tout qui partait ici. On voit c'est tout sec là. Il y a tout qui passe ici. On a creusé sous les cailloux qu'on ne pouvait pas déplacer. Ici. Et là on a déjà pas mal de courant pour le début. Mais le problème c'est que il y a des infiltrations. Et puis il y a déjà ici pas mal d'eau qui coule. Alors qu'il y a tout qui a été dévié. On est arrivé en gros jusqu'à par là-bas, juste avant la faille dans la roche. Bon, finalement, on s'est motivé et on a décidé d'optimiser chaque endroit où il y avait des infiltrations. Donc, ça part de ici en haut. On a détourné ici derrière tous ces rochers, là, derrière le gros bloc. Et ici, on voit la chute. Déjà là, il y avait pas mal de pertes. On a réussi à limiter au maximum. Ensuite, ça passe ici en bas. Voilà, ici, la partie en métal, laquelle on a réussi à vraiment étanchéifier. Il n'y a plus d'eau en dessous, c'est totalement sec. Ensuite, ici, on a dallé tout ça, comme je vous l'avais dit. Et là, il y a presque plus d'eau qui coule sur ce rocher. Ensuite, on continue. Ici, j'ai optimisé en creusant plus profond et plus escarpé, plus fin, pour que l'eau aille plus vite et donc il y ait moins d'infiltration. Ensuite, j'ai fait un petit lac de barrage pour pouvoir utiliser le tuyau sur cette partie bétonnée qui n'est pas du tout étanche. On a donc ici le petit lac de retenue qui nettoie aussi par la même occasion l'eau. Le tuyau qui part depuis sous la surface, comme ça il prend pas toutes les feuilles justement. Donc ça marche très bien. On continue, ici il ressort. Et là, on a le petit canal qu'on a creusé pour passer entre les pierres. On voit les reflets. Donc ça passe tout là-dessous. Hop. Et ensuite, là, ça descend jusque tout là-bas en bas. Donc une fois que ça a passé le rocher, là, on a réussi à avoir encore pas mal d'eau, mine de rien. Ici, tout là, ça descend. On voit un tout petit peu. Et puis, ça part jusque là en bas. C'est allé au maximum jusqu'à juste derrière la branche là. Mais toute cette zone là, c'est une zone d'infiltration de nouveau. Et du coup, ça va pas plus loin. Du coup, voilà, ça marque la fin de notre tentative de raviver le bis. C'était fun. Petit bonus dessert, quand vous faites un feu, vous pouvez prendre une banane, la couper comme ceci sur le dessus sans la traverser, sur toute la longueur. Ensuite vous écartez les deux côtés, comme ça, hop. Et ensuite vous venez mettre du chocolat sur toute la longueur.
Ensuite, vous prenez par la queue et vous mettez directement dans les braises. Faut pas des flammes, juste dans les braises. Et puis vous laissez comme ça jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Il n'y a pas de risque que la banane crame. Du coup, on est parti ce matin en ayant pour objectif un village, enfin quelques maisonnettes plutôt, abandonnées, de l'époque où ils allaient chercher de l'or dans les mines. On nous a indiqué un peu le chemin et puis on a regardé sur la carte. Mais le problème c'est que c'est un ancien chemin, donc il n'y a plus grand chose. On a perdu plusieurs fois le chemin. Et puis faut dire que le terrain il n'est pas hyper propice. Enfin, c'est vachement en pente. Il y a des falaises un peu partout. Et puis on doit aller là-bas en haut. Mais on devrait réussir à trouver ces maisonnettes. On a retrouvé le chemin. Et ouais, là ça a l'air quand même d'être un chemin praticable, disons. Et voilà, on se retrouve là-haut. On va pas trop se coller tout près ici. Ok, après 1h30 de montée, environ 400 mètres de dénivelé pour 500 mètres de distance, on est enfin arrivé à l'ancien village minier. On voit qu'il y a encore pas mal de restes de maisons avec les cadres de portes, cadres de fenêtres, même une cheminée. Et on a aussi entendu dire qu'il y avait une grotte un peu plus loin, qui fait 1 km de long, une grotte naturelle du coup. On va sûrement aller voir ça juste après. Et puis en attendant quelques plans de coupe du village.
Bah ouais, j'avais un autre pas qui me faut. On arrive gentiment à la grotte normalement. Je crois bien qu'on a trouvé la grotte. Ah, t'es Dieu. Ah ouais. Incroyable. Putain, c'est ouf. Putain, elle est grande, hein. En plus on peut tenir debout et tout. C'est clair. Il y a un beau reflet d'eau là. Superbe formation. Ouais, bon, on va faire ici. Hein. Ouais. J'espère que c'est pas trop récent. La dissolution des différentes couches. C'est magnifique. C'est méga tranchant. Hein? Quelle galère.
Yes. J'ai le truc dans le cul. Ça va. Je suis coincé là. Allez, bah, pousser celle-là. Ouais. Ouais, encore, encore. Pousse, pousse celle-là. Ouais. Merci. T'as vu le truc, quoi. Qu'il est fait, cette d'une beauté. Yes, ça va. Easy, hein. Easy. Petit tips quand vous n'avez pas de matelas sous la main. Vous pouvez toujours utiliser des feuilles ou alors par exemple des branches de sapin. Ça fait un bon amorti pour tous les petits cailloux, etc. que vous avez. Et puis aussi très important, mettre le bois au sec. Donc si vous avez un tarp, une bâche ou alors même une couverture de survie, ça ferait très bien l'affaire. Pour ce qui est de la nourriture, c'est une bonne habitude de suspendre les sacs de nourriture et de déchets. Ici, on a fait ce système en triangle parce que on est sur un terrain très en pente, donc c'est assez pratique. On a juste à venir tirer et c'est directement là, et puis on peut facilement le renvoyer. Mais on peut très bien aussi le faire sur un terrain plat en lançant une ficelle par-dessus une branche et puis simplement sous forme de poulie d'un côté le sac et de l'autre côté on attache au pied de l'arbre et ça fait le même système. Ça permet que les animaux ne viennent pas autour de votre campement. D'ailleurs dans les zones un peu plus à risque où il y a des ours ou comme ça, on recommande de le mettre vraiment assez loin du campement. Et une bonne idée aussi, c'est pas ce qu'on a fait ici, mais c'est de mettre des sacs étanches dans des sacs étanches. Comme ça, s'il pleut, il n'y a pas de souci. Ici, s'il se mettait à pleuvoir, les sacs se rempliraient et se déchireraient sûrement. Et on n'aurait plus de nourriture. Mais bon, il fait beau pour nos 3-4 jours. Donc pour nous, ça va bien. Il est aussi possible de se faire des outils avec ce qu'on trouve en forêt. Donc par exemple ici une pioche. On peut aussi faire une hache de la même manière. Il faut prendre un bout de bois, le fendre en deux. Donc vous pouvez utiliser une hache ou votre couteau et taper dessus avec un caillou pour le fendre en deux. Au milieu, il faut un bout de bois pas trop sec sinon il va casser. Ici on a trouvé une barre en métal qui date de l'époque des mines sûrement, et du coup on a utilisé ça, mais on peut très bien mettre un caillou assez long, mais il faut qu'il soit relativement plat pour pouvoir passer dans le bois sans casser le bois. Et ensuite vous utilisez de la corde d'abord en dessous pour bien fermer, pas que ça continue à se fissurer en dessous. Vous serrez bien, vous passez autour de la pierre en croix et ensuite vous serrez le haut pour bien que ce soit pincé entre les deux bouts de bois et que ça ne bouge pas. Par exemple là on peut taper dans la terre et puis ça va pas bouger du tout. Si vous avez du temps et beaucoup de motivation, vous pouvez aussi construire un petit four à pizza avec une entrée d'air d'un côté. Ça souffle sur le feu et la fumée normalement sort de ce côté. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut mettre les choses à cuire au-dessus du feu et comme ça on se brûle pas les mains pour aller chercher parce que les poignées sont de l'autre côté à l'abri des flammes.
Et ça chauffe bien, c'est directement au-dessus du feu. Donc, si vous avez du temps et de la motive, c'est pas mal. Là-dedans. Ouais, mais faut le faire un petit peu.